Un retour à la maison peu chaleureux pour le prince Harry. Samedi 17 avril, le duc de Sussex est apparu aux côtés de la famille royale à l'occasion des funérailles du prince Philippe, mort le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans. De tristes circonstances pour ce premier retour dans son pays natal depuis qu'il s'est installé à Los Angeles avec son épouse Meghan Markle et leur fils Archie. Mais aussi, pour retrouver les Windsor, avec qui il n'a pas été des plus tendres dans une interview accordée à Oprah Winfrey en mars dernier, ce qui lui a valu d'être accueilli de façon plutôt austère par certains. En effet, plusieurs sources ont rapporté au Daily Mail que le prince Harry avait ressenti beaucoup de froideur de la part de certains membres de sa famille à son arrivée au Royaume-Uni une semaine avant les obsèques de son grand-père, pour notamment observer une période d'isolement à Frogmore Cottage, réservant ainsi sa première visite à sa cousine Eugénie qui y réside désormais. Séparé de son frère William lors de la procession, à la demande de celui-ci, par son cousin Peter Phillips, le prince Harry n'a également pas reçu les salutations de sa tante la princesse Anne, ni même de son oncle le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex, ni avant ni après la cérémonie, selon une source. Le prince Andrew, le seul à avoir exprimé de la sympathie envers Harry selon le Daily Mail, ce manque de reconnaissance envers le prince Harry serait simplement de la part de certains le témoignage d'une forte protection envers Elizabeth II et la monarchie, tandis que le duc de Sussex a accusé les Windsor de racisme lors de son interview accordée à Oprah Winfrey. Et s'il s'est à l'issue de la cérémonie rapproché du prince William ainsi que de Kate Middleton, un membre de la famille n'a pas hésité à venir le saluer en cette triste journée. Ironiquement, le seul à avoir exprimé de la sympathie à son égard est le prince Andrew, a précisé une source au tabloïd, tandis que celui-ci a été écarté de la vie publique après avoir été accusé d'agression sexuelle, et a toujours été présenté comme un outsider, notamment après son mariage avec Sarah Ferguson, peu apprécié parmi les Windsor. Par ailleurs, le prince Harry a pu se rapprocher de son père le prince Charles après la cérémonie, faisant de ce retour un moment fort.